J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Creedmas. Vous êtes nombreuses à me suivre tous les jours et j'espère que ça vous plaît. C'est pas forcément des vlogs hein, comme je vous l'ai dit, c'est un peu des petites vidéos préparées, des petites... Voilà, j'essaye de mixer, il y a forcément un petit décalage. Du coup aujourd'hui dans mon calendrier de l'Avent, je vais vous montrer le jour 6. Si je ne me trompe pas dans mes calculs, le jour 6, donc là j'avais ouvert le jour 5, donc le jour 6... Donc chez Party Light, comme d'hab je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Chez Party Light c'est une à la mûre. J'ai tout fait brûler mes petites votives là. Je crois que ça s'appelle des votives, dans le chauffe-plat. Comme ça, et je trouve ça très sympa. À la mûre ça sent pas très fort. Ça sent pas très fort. Bon, je la ferai brûler, on verra bien. Chez W7 ça a l'air d'être une grande case tout en haut. Donc ça c'est cool, d'ailleurs ça arrache la moitié du calendrier. Il est un peu pourri le calendrier en lui-même hein. Mais c'est un crayon, est-ce que c'est pour les lèvres? Vu la couleur, peut-être pour les yeux, pour les lèvres, je sais pas. Une couleur assez foncée. Alors c'est un espèce de marron qui s'appelle le Brownest Brown. Donc une sorte de marron comme ça. Ah oui, je pense que c'est un crayon pour les yeux. Ça c'est très bien, c'est le genre de crayon que j'utilise tout le temps. Donc c'est top. Et dans mon Christmas Favorite de chez Sephora, mais aussi... C'est une grande énorme case pour un truc rikiki. C'est le fameux... mais alors pourquoi ils ont fait une si grande case? Regardez, on s'attendait à un truc de fou dedans. Hein. Bon après c'est sympa, hein. C'est un truc pour dormir, pour mettre sur les yeux, une sorte de masque pour mettre sur les yeux en tête de panda. Je trouve ça mignon, ça c'est sympa. Je l'avais vu dans les spoils un peu du calendrier. Ça ne m'avait pas dérangé, je trouve ça mignon. Et puis mes enfants ils sont fans de panda, donc si ça me sert pas, ça leur servira histoire toute famille un petit peu, je pense que voilà. Ou pour mes futurs voyages en avion, on ne sait pas, peut-être que je vais essayer de faire des bêtes de voyage très prochainement quand mes enfants auront un tout petit peu grandi. Du coup aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un haul Primark et un haul The Body Shop. J'ai reçu avant par la poste un petit colis, un peu rempli quand même, des petits pinceaux. Alors moi vous savez, je suis méga fan de pinceaux, j'adore en tester. D'ailleurs j'en ai commandé chez Beauty Bay pendant le Black Friday. J'ai pas encore reçu mon colis mais ça ne serait tardé. Si je le reçois aujourd'hui, bah, je vous ferai dans cette vidéo la suite. Vous le verrez dans le titre de toute façon. Mais j'ai commandé encore des pinceaux. Oui je suis une grande fan de pinceaux. J'aime bien en tester des nouveaux. J'ai adoré ceux de la marque ELF qui étaient à petit prix. Et là du coup j'ai envie de tester ceux de la marque UR Cosmetics qui sont aussi à petit prix à 1€. Je me demande si c'est le même style de qualité. Ils étaient pas chers et pas trop mal pour l'élève. J'aime bien les utiliser donc au niveau des yeux. Au niveau du teint, je crois que j'en ai certains. Donc je vais vérifier. Je sais plus du tout lesquels. Si j'en ai certains, bah les autres, je vous les mettrai à gagner, ceux qui sont neufs. Sinon, ceux-là, je sais que pour les yeux, j'en ai pas de cette marque-là. Donc je vais les tester, je vais les mettre dans. Les laver, les mettre dans mon pot à utiliser tous les jours. Ils ont l'air pas mal du tout, je sais que les poils sont pas trop mal et tout, donc voilà. J'en ai plein à tester, je suis contente, merci la marque UR Cosmetics de m'avoir envoyé ça, c'est plutôt sympa au niveau de ce petit colis de cette semaine. Et chez The Body Shop, hier je suis passée donc à Euralille, au centre commercial, je voulais absolument aller chez The Body Shop, parce que l'année dernière en solde, j'avais acheté ce truc là, donc ça c'était l'année dernière, et comme vous pouvez vous constater, je l'aime la folie. Ça sent, c'est la Vanille Pumpkin, ça sent une odeur un peu ouais de citrouille mais vraiment léger, en même temps chaude de la vanille. Enfin je peux pas vous décrire, faut la sentir cette odeur, c'est compliqué. Mais j'en suis ultra méga fan. Du coup je suis allée dans le magasin, je me suis dit je vais aller voir s'il y a quelque chose encore. Et aussi l'année dernière j'avais testé la crème pour les mains que j'avais adorée. Mon mari ne supportait pas l'odeur mais moi c'était mon petit bonheur le soir de mettre la crème pour les mains. Du coup je l'ai racheté et il y avait du coup deux achetés, le troisième gratuit. Donc j'ai acheté ces trois produits là. Ça je l'ai testé hier soir, j'ai pas pu résister. Et je suis un petit peu déçue quand même, il est pas aussi fou que les autres en fait. Donc ça je rachèterai pas, bon je vais l'utiliser avec plaisir en combo avec du coup ma crème. Puisque celle-ci je l'avais déjà et je vais l'utiliser à fond. Et ça bah voilà, tous les soirs ça va être mon petit bonheur aussi en plus. Je regrette en revanche de ne pas avoir acheté celle-ci parce qu'elle y était. Hein. Elle était à 17€ mais comme il y avait le 2 acheter un troisième gratuit, si je prenais ça j'aurais payé plein pot ça. Je me suis dit ça valait pas le coup sur le coup. Mais bon, j'y retournerai d'ici la fin du mois parce que j'ai une promo pour la fin du mois, 10€ sur 30€ d'achat je crois. Donc j'y retournerai peut-être à ce moment-là, je reprendrai deux pots comme ça. Sinon pendant les soldes je pense que ça sera soldé. Donc si vous me revoyez acheter ça... Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est genre je suis méga fan. On passe à mes achats Primark. J'ai acheté des choses pour ma classe, donc j'ai un sac pour ma classe et un sac pour moi et mes enfants. Je vous montre d'abord le sac pour ma classe, comme ça vous aurez vu, bien sûr, si vous me suivez dans mes vlogs, mes tresses, etc. Je vous en mettrai quelques-uns ici.
je suis sur le thème Harry Potter. Et du coup, bah, j'ai craqué pour des pop Harry Potter. En fait, j'en parlais avec mes élèves, je disais quand même, il n'y a pas de pop Harry Potter. J'aurais bien aimé le Hagrid en Harry Potter pour ma décoration de Noël, etc. Ma vidéo décoration de Noël ne serait tardée. Si elle est en ligne ou pas, je ne sais plus. Je suis perdue dans mes vidéos, mais en tout cas, si elle est en ligne, je vous la mettrai dans le petit. Et du coup, là, je suis tombée chez Primark sur la pop Harry Potter. Je ne voulais pas craquer, hein. Je ne voulais pas craquer pour des pop. Je voulais pas commencer, hein. Je voulais pas commencer à acheter les pop Harry Potter comme Mélanie, Elodie de la chaîne Elodie Moitou, Mélanie de la chaîne Happy Together 17, qui sont des fans un peu de pop et pas forcément d'Harry Potter pour Mélanie, mais voilà. Je voulais pas commencer, mais j'ai été faible parce que mes élèves m'en ont parlé, parce que je me disais, il manquait Hagrid dans ma collection, sur ma déco, je trouvais que Hagrid, en plus ils adorent tous Hagrid, donc je me suis dit, quand même, ça m'énerve. Du coup, je l'ai trouvé à 18€, et je me suis dit, bon, c'est pas donné, mais c'est le grand Hagrid, donc je l'ai pris. J'ai été faible, oui, oui. J'ai aussi donc acheté Harry, même si ça mes élèves l'avaient ramené, j'avais pas trop osé les enlever de la boîte et tout parce que bah, c'était à mes élèves, donc je l'ai acheté aussi pour ma classe, bien sûr ma fille là, va l'utiliser un petit peu parce qu'elle adore, tout ça, ça ira pour mes enfants bien sûr évidemment après, hein. J'ai pas acheté pour rien non plus et je pense m'inscrire sur le site Pop in the Box, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je crois que j'ai un lien affilié si ça vous intéresse. C'est un site où vous pouvez prendre des abonnements pour recevoir des pop tous les mois. Vous payez pas très très cher, je crois que ça revient à 12€ la pop. Donc c'est le cas, hein, chez Primark j'ai trouvé 12€ la pop. Mais il vous envoie voilà, des pop que vous voulez absolument. Donc si vous voulez pas galérer à chercher, etc., vous trouvez votre pop. Vous pouvez choisir, checker celle que vous voulez pas du tout recevoir, celle que vous voulez recevoir. C'est une sorte de surprise. Mais c'est vous qui dirigeait un peu le site en leur disant ce que vous voulez. Moi je pense que je vais m'inscrire pour recevoir 2 pop par mois pendant quelques temps là et je vais demander que du Harry Potter forcément pour avoir complété ma collection. Je pense que je vais faire ça. Oui, je suis faible. Je sais les copines, Mélanie, Nini, tout ça, vous allez vous moquer de moi en regardant cette vidéo, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est l'influence de mes élèves. J'ai essayé de résister jusque là. Bref, vous me direz vous si vous avez pas du tout adhéré à ce truc de pop. J'avoue qu'au début moi ça m'intéressait pas du tout les pop, etc. Je suis pas dans collectionneuse au niveau des petits personnages comme ça. Mais c'est vrai que là avec cette histoire d'Harry Potter, mon projet Harry Potter, ça m'a embarqué moi aussi du coup. Donc voilà, j'en deviens presque fan alors que j'étais fan au départ, hein, mais pas non plus que ça. Donc voilà, j'ai pris Dumbledore parce que je me suis dit au moins quand même on est dans l'école Poudlard, dans la classe Poudlard, faut Dumbledore. À 12€ les petites pop et donc 18 la grande. Et pour finir sur Harry Potter, comme on est la classe Harry Potter, j'ai pris la petite, le petit fanion, la petite bannière comme ça, classe avec écrit Harry Potter. Et je rajouterai classe, comme ça ça sera cool dans ma classe, je me dis qu'il y aura écrit classe Harry Potter. Voilà, jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout. Et encore, pour finir, j'ai pris des petits stickers, enfin c'est pas des stickers, c'est des confettis Harry Potter. Il y avait plein de choses pour faire une déco d'anniversaire Harry Potter chez Primark. Si vous voulez faire l'anniversaire de vos enfants sur ce thème là, il y avait vraiment un paquet de choses. Bon, c'était pas petit prix, hein, c'est pas du AliExpress, mais c'était pas mal, du coup ça j'ai pris, je me dis que ça pourra faire plaisir à mes enfants pour coller dans des petites choses, et pour mes élèves, hein, c'est pour mes enfants, c'est mes élèves. On passe à mes achats donc personnels pour moi, pour mes enfants. Pour ma fille, je lui ai repris un petit pull de Noël à 6€, parce que pour l'école, celui qu'on lui a pris, il est un petit peu trop voyant, et j'ai peur qu'elle le salisse surtout à l'école, donc j'en ai repris un peu plus sympa, et bon, si elle le salit, on va dire que c'est un peu moins grave. Donc à 6€, j'ai pris en taille 6-7 ans, hein. Pour que ça lui aille très bien dès maintenant. Et là vous allez voir, la folie de Noël s'est emparée de moi. Il restait plus grand chose chez Primark par rapport à Noël. Au niveau pull de Noël pour les femmes et tout, il restait pas grand chose, grand chose, même pour les enfants. Mais il y avait les pyjamas. Donc bah j'ai pris un pyjama pour ma fille, puisque celui que j'avais eu sur le site Dress Lily, si je me trompe pas, je vous remettrai ici le site où j'avais fait des essayages avec ma fille, il ressemblait un peu à celui-ci, mais il s'avère qu'il est vraiment trop petit pour ma fille, il lui serre un petit peu le ventre. Du coup on l'a passé à mon fils qui a 2 ans. Ça lui va très très bien. Et j'en ai racheté un pour ma fille dans les mêmes coloris, pour faire la petite photo de famille. Ça va être trop mignon. Faut que j'en trouve un pour mon petit crapaud, le dernier. En version gigodeuse, grenouillère. Vous voyez, hein, en version pyjama combi quoi. Donc je vais essayer de trouver ça ailleurs. Mais en tout cas voilà, il est trop mignon. Vraiment cliché mais très très beau. Et pour ma fille et pour maman, vous allez revoir une petite photo sur Instagram. Mère-fille, hein. Donc voilà, j'ai pris pour elle et pour moi, j'ai pas pu résister. Et ah mais regardez, ils disent que genre il y avait même pour les petits, mais moi je l'ai pas du tout vu, hein. Oh c'est trop dommage. Bon, il y avait pour tout le monde, je sais pas si ça veut faire le focus. Il y avait même le petit pyjama là, bah je l'ai pas vu du tout chez Primark. Bon, c'est pas grave, il y avait pas tout tout, hein. Je pense que là c'était la fin. Donc voilà, on aimait bien le petit renne. Alors le bas, moi je le trouvais un peu kitschouné, mais bon,
Il est mouté un peu tout doux. C'est vraiment les coloris voilà à l'ancienne, hein, mais voilà, bon, c'était pour le délire. Cliché, mais j'adore. D'ailleurs, vous étiez nombreuses à réagir en me disant que c'était trop mignon, que vous aussi vous vouliez des tenues de Noël ou des pulls de Noël. Et c'est vrai que voilà, moi je commence à être embarquée par tout ça. Ah là là. Donc pour moi, la même chose, hein. Le même pantalon et tout. J'ai pris en XL. Alors je viens de voir que c'était pour les hommes. La fille qui avait pas vu. Il y a écrit men. Bah écoutez, on s'en fiche, hein. Il n'y avait pas grand choix au niveau des tailles et tout. Donc moi j'ai vu XL, je l'ai pris tout de suite, je crois que c'était le dernier. Mais j'ai pas fait gaffe que c'était pour les hommes. Bah en tout cas, homme-femme, je suis pas sûre que ça change grand chose à part le petit mot qu'il y a dessus en fait. Ouais, je pense que c'est le petit mot qu'il y a dessus. Mais l'idée est trop trop bien dans le Primark. Je trouve que ça c'est cool qu'il y a des idées un peu pour la famille et tout. Je trouve ça très sympa. Il y en avait d'autres coloris un peu plus basiques, style gris pour les papas avec écrit papa ours et tout. C'était mignon aussi. Et pour rester dans la folie, Harry Potter, mon dernier achat. Tadam! Bon, je l'ai pris parce que il était en solde à 50%. Au lieu de 10 euros, il m'a coûté 5 euros. Donc je me suis dit, à 5 euros, ça va, hein. Donc voilà, il est méga grand, hein, l'espèce de Harry un peu en pop là comme ça, il est méga grand. Mais voilà, c'est une taille L. J'avais peur que ça m'aille pas, mais ça a l'air de tailler hyper grand, donc on verra. Et ouais, j'ai hâte de montrer ça à mes élèves. Il y avait d'autres petites choses Harry Potter, mais pas grand chose non plus. Et il restait que des petites tailles genre XS et tout, donc no way, hein, comme on dit. Je suis contente, j'en ai trouvé un. Oui, aïe, je fais partie de la team Harry Potter. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez des trucs de Noël à la maison, des pyjamas de Noël, des pulls de Noël ou des pulls Harry Potter. Je sais qu'il y a d'autres magasins qui vendent des trucs Harry Potter, faudra que j'aille zioter un petit peu. En tout cas voilà pour mon petit craquage chez Primark. J'y suis passée pour une copine mais du coup ben j'ai craqué pour moi. Ne pas aller dans les magasins quand on veut aller pour les autres en fait, parce que sinon on craque pour nous aussi. D'ailleurs, j'y suis allée un mardi soir à 17-18h, c'était trop bien, il n'y avait absolument personne dans le magasin. C'était le bonheur. Donc voilà pour mes achats, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Et on se retrouve demain, salut salut.